Bonjour Monsieur Hollande. Merci. Clément Bonpoil, enchanté, c'est vous. Donc merci à vous de vous être déplacé pour cet entretien de recrutement, entretien qui va se dérouler en deux parties. Une première partie, je vais vous présenter le groupe Élysée, qui on est, ce qu'on fait, et ensuite une seconde partie où on s'intéressera à vos motivations. Alors l'Élysée, qui on est un petit groupe d'escrocs, on dirige environ 60 millions de personnes. Voilà, on planche sur des problèmes type dette de l'État, relations internationales. Voilà, en fait, voilà, ça correspond à aller manger une choucroute de temps en temps avec Merkel, hein, histoire de bien entretenir le truc. Grosso modo, on fait du 9h, 16h30, 17h le jeudi parfois. On a un super comité d'entreprise aussi, vraiment. Alors monsieur Hollande, vous repostulez pour ce CDD de 5 ans, ça fait déjà 3 ans que vous êtes chez nous. Comment vous vous situez en termes d'objectifs? C'était quoi nos objectifs? Je sais pas, c'est peut-être faire en sorte que le mot chômage devienne aussi célèbre que le boule de Kim Kardashian, hein? Oui, nous avons atteint nos objectifs. Eh oui. Pour vous, que représente l'augmentation du nombre de femmes sur des postes à responsabilité? C'est un problème. Nous sommes d'accord. Femme au volant, même bourré, c'est plus prudent. Que savez-vous de l'attaque de Charlie Hebdo du 7 janvier dernier? Il y a eu près de 100 000 morts. C'est ça, le chiffre exact étant de 12. Pourquoi avez-vous couché avec Julie Gayet? Pour la France. Mmh. Il y a quand même pas mal de monde qui est passé sur Julie, non, je sais pas, à peu près... Nous sommes un peu plus de 4000. Ouais, j'avais pas le chiffre exact en tête, je pensais pas que c'était... Ok. Vous le savez, ici, après, pour nous, à l'Élysée, la France, c'est quoi? La France, c'est comme le pays de tous les rêves, c'est comme le pays de toutes les libertés. Comme le pays de la délivrance. Ne me coupez pas! Que pensez-vous du sida? J'ai affaire entre Africains. Ouais. Quelles sont vos principales motivations? Et vous savez, sur ces sujets-là, je ne dis pas ça pour manquer au devoir d'information. Moins on en dit, mieux on agit. D'accord, faisons comme ça. Savez-vous où se trouve Gérard Depardieu actuellement? Il est violé par les Russes. Mais c'est dégueulasse. C'est un problème. Alors, dans votre lettre de motivation, vous mentionnez que vous savez faire preuve de leadership. Hein, vous parlez par exemple de cet épisode au Club Med à Marrakech, où vous avez envoyé DSK et Royal aller chercher des mojitos à l'autre bout de la plage, car vous étiez à court de ponche. Et ils y sont allés? Ils y sont allés, à pied, avec 45 degrés de température. Et j'ai suivi ces opérations. Fucking leader. Alors, pour évaluer votre réflexion philosophique et votre capacité à comprendre, hein, car ce poste de président nécessite un minimum de... je vais vous poser une simple question. Que pensez-vous du général de Gaulle? Nous avons, hélas, des éléments qui nous conduisent à penser qu'il pourrait être mort. Rien n'est moins sûr. Pour mesurer enfin vos qualités comportementales maintenant, quand j'invite une fille au restaurant, je la raccompagne chez elle, ensuite je l'ajoute sur Facebook et... Il faut aussi envoyer un message. Très bien, très bien. Bon, moi j'ai tout ce qu'il me faut personnellement, vous avez peut-être un mot à rajouter, non, pour appuyer votre candidature? La politique de la France, c'est qu'il n'y a pas de Non, je préfère vous arrêter tout de suite, là, je sens que vous allez dire une grosse connerie, là. Écoutez, monsieur Hollande, merci à vous pour cet entretien. On en est au début, nous, du processus de sélection. Je serai habilité à vous faire un retour sous 2 ans. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, monsieur Hollande. Au revoir. À vous aussi. Oula. Ouais, Jésus, tu vas bien? Depuis quand tu m'appelles sur mon perso, voilà. Blaireau. Ouais, mais je l'ai vu, il est pas ouf en entretien, non. Après, ça fait 3 ans que le peuple l'accepte, hein, donc à voir. Je veux d'autres candidats, de toute façon. Au pire, on fera pas un grand coup, hein. Les Ricains ont mis un noir. Nous, on pourrait mettre... on pourrait mettre une femme, mais ferme ta gueule. Reste sérieux. Voilà. Voilà, mais je te tiens au courant, moi, d'ici 2 ans. Bisous. Bisous, ciao.